spiritualité, sagesse et fluidité, les maîtres des arts martiaux ont offert au public un voyage envoûtant, coloré, peuplé de moines de Shaolin, de combattants en kung-fu ou encore de créatures mystiques. Avant de monter sur scène, les champions de Viet Vo Dao répètent une dernière fois en coulisses. Leur professeur les a guidés pendant un mois. Les petits, ils donnent beaucoup, ils travaillent assez dur pour y arriver à ce niveau-là, même si, voilà, leur âge, ils sont petits, mais ils sont quand même déjà champions de France. Des petits champions qui partagent le tatami avec les plus grands. Cette soirée permet de montrer aux spectateurs des disciplines méconnues, comme le wushu, avec la double championne du monde, Daria Tarasova. Mais la grande star de la soirée est Wang Ni, doublure officielle de Jet Li dans plusieurs de ses films. Il rend hommage à Bruce Lee ce soir avec l'école Wang Nam et se réjouit du succès de cette soirée. On était vraiment soulagés puisque tout s'est bien passé. Et le public a été présent, a été conquis par les différentes démonstrations. Impressionné, le public a encouragé ses champions tout au long de la soirée. C'est bien, bien organisé, de belles démonstrations, c'est très sympa. On peut rencontrer de loin les plus grands champions du monde. Les attaques qu'ils font, parce que moi j'ai hâte de devenir comme eux. Pour arriver au niveau de Wang Ni, il faut du temps et des années d'entraînement. À 46 ans, il est le Français le plus titré d'Europe en kung-fu.